Eh bien, salut tout le monde, c'est Valou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour l'épisode 2 de la plus grosse ferme. Donc aujourd'hui, on est au sort multijoueur avec Nico. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va moissonner l'orge parce que en off, je viens de tour déchaumé, j'ai semé l'orge, j'ai fait la décoration. Donc vous allez voir, j'ai décoré la ferme, j'en suis plutôt fier. Donc vous verrez ça juste après dans la vidéo. Donc on va moissonner l'orge, botteler, ramasser les bottes, on va placer le poulailler, on va hacher les poules. On va donner à manger aux poules et puis on va peut-être aller livrer les bottes, mais je suis pas sûr. On verra du temps qu'on en est au tournage. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve juste après l'intro. Du coup les gars, on se retrouve. Donc comme je vous avais dit, on est en compagnie de Nico. Salut! Donc aujourd'hui, donc j'ai tout ressemé le champ, donc je l'ai mis en orge. Donc j'ai deux fois mis de l'engrais, j'ai traité contre les mauvaises herbes, j'ai tout mis. Donc il faut qu'on moissonne, on va botteler et puis on va ramasser les rouleaux et on va aller les vendre, comme ça nous fait un peu d'argent, même si ça nous fait pas grand-chose, ça nous fait un peu d'argent. Sinon Nico, je t'ai pas dit, mais j'ai été livrer le bois qui nous restait. Non attends. Ok. Et il nous restait un peu de bois et j'en étais livré, j'en avais pour genre 150 euros je crois. Ouais. Bon, c'est pas grand chose. Le bois, ça, je crois que c'est pas une grosse fortune. C'est toujours ça de plus Ouais, c'est après. toujours ça dessus. Plus, comme tu dis. Et aussi aujourd'hui, on va placer le poulailler, comme vous aurez pu le voir sur la miniature. Donc Nico, si ça te dérange pas, tu commences à moissonner le temps que je présente la ferme, parce qu'ils ont pas encore vu, parce que j'ai fait la Vas-y. décoration. Donc je décale à John Deere. Et comme ça, moi je vais vous montrer un peu la ferme, parce que. Ce que j'ai fait. On va mettre le John Deere ici. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer. Donc on va commencer à l'entrée déjà. Donc là j'ai fait l'entrée. J'ai pas voulu faire dans le virage parce que le terrain n'était pas droit. Donc le portail il avait du mal à se mettre. Et puis c'était dans le virage. Donc je me suis dit quand même dans un virage c'est chaud. Donc je l'ai mise là. J'ai fait un petit truc bien stylé. J'ai mis des barrières en bois partout. Ouais, je sais pas si on passe des blanches, des barrières, je sais pas ce qu'on peut faire. Donc du coup, je vous disais, j'ai mis des planches en bois partout, donc tout le tour, comme ça fait une cour fermée, bien stylée. J'ai mis le piste de lavage ici, donc j'ai mis le karcher là, et j'ai mis une petite texture qui change, donc un peu de terre pour dire que c'est là que c'est sale et tout, etc. J'ai mis une réserve à fioul ici, comme ça on n'a pas à la chercher parce que c'est assez loin, donc je me suis dit comme ça on est tranquille. Donc je l'ai rempli, il y a 10 000 litres de fioul là-dedans, donc voilà. J'ai mis les fourches ici, j'ai mis une réserve à eau pour plus tard, même si on n'a pas besoin tout de suite. Plus tard, si on en a besoin, j'en ai mis une, on sait jamais. Même si je viens de penser que je suis un peu con, parce que maintenant les bâtiments ils se remplissent à eau tout seul, donc les bâtiments dits bêtes. Sur la route à fond. Bon, non, je vais passer par le petit chemin. Bon, avec la petite de chevaux qui te suit là. Ça Du coup, va j'ai fait plus que ça moi. dans le bâtiment. Donc, on va aller voir au mobilhome ce que j'ai fait. Donc, le petit mobilhome, voici. Donc, j'ai fait une petite cour pour plus tard si on a une voiture. Et j'ai mis entouré de buissons. Donc, je me suis amusé à faire ça. Moi, je trouve ça stylé en tout cas. Je me suis fait plaisir. Hein. Comme ça, moi, je vais te sortir la Roland et puis j'ai botté derrière. Hein. On va pas attendre à. Je peux attendre à marcher là. De toute façon tu fais en tour en ligne toi. Comme tu veux, parce que c'est toi qui es derrière avec la botteuse, donc moi je m'en fous. Bah fais plus. Au pire fais plutôt en Inversé. ligne. Fais plutôt en ligne parce que s'il y a des rouleaux qui sont dans les bouts, tu vas te faire chier à faire demi-tour. Vas-y. Bon je déteste mon engrais là parce que sinon il va nous gêner dans le bâtiment là. Donc, ah si, il faut short le New Holland pour atteler le remballeur, parce que je vais mettre le New Holland sur le remballeur. Le petit New. Et d'ailleurs, Rockley, il a réagi en commentaire, je sais pas si t'as vu, dans la première vidéo. Non, je vais pas essayer. Il s'est moché, il a, ouais, Alcaz et puissance mieux, machin. Oh, attention. Je lui ai répondu, il était moins cher. Super. Sinon, donc aujourd'hui, ouais, le but c'est de placer le poulailler. Hein, vraiment. Et donner un commencement à manger aux boules. C'est pour ça que l'orge, on n'ira pas vendre tout de suite. Comme ça, on va d'abord le remplir. Merde.
Et l'orge, on va même, je la stocker dans le bâtiment parce que tout de suite, j'ai pas, on n'a pas les moyens de mettre un silo. Ce sera, ah, je pense, en termes d'achat, je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais ça sera poulailler après un tracteur parce que si on est, si on a un peu plus en termes de joueurs Ouais. et un tracteur un peu plus fort comme ça. Moi, j'ai déjà pensé à un truc, je vais pas le dire tout de suite parce que sinon, ça fait déjà les gens ils savent, mais je te le dirai après, Nico. J'ai pensé déjà un tracteur. Et sinon, après le tracteur, ce sera un silo. Donc ce sera soit d'abord le silo, soit d'abord le tracteur. Ça dépend de l'avancement. Ça dépend de combien de joueurs on sera aussi. On verra. Mais moi j'ai déjà pensé à un tracteur, littéralement. N'a pas accès à terrain. Activez le dépôt automatique. C'est quoi le dépôt? Voilà, on va voir ce que c'est. Allez, c'est parti pour faire le petit rouleau. Moi j'aime bien le petit cune. Je trouve que ça fait stylé sur le New Land. Après, si tu veux botteler, tu le dis, hein. Comme tu veux. Bah attends, je fais juste une botte pour voir. Et puis comme ça, je vais mettre le. Après, le John Deere sur la. Truc, si tu préfères botteler, tu peux. T'avais déjà moissonné la dernière fois, donc tu fais comme tu veux. C'est pour ta vidéo, moi c'est comme tu veux. Oh, moi je m'en fous. De toute façon ça va être accéléré après. Mais au pire, on va se relayer en même temps. Ouais vas-y. Je suis jusqu'à la moitié et puis. Ouais si tu veux vas-y. La petite jeune. Et du coup j'ai pris le train pour aller vendre le colza. Et ça a marché. Ouais, t'as vu, c'est ça. Ouais, c'est nickel. Je vais mettre le John Deere ici pour l'instant. Ah, c'est chiant que ça bug. Ça bug là? Ouais. Ah merde. Attends, je vais me. Beaucoup. Peu mal, toutes les 2 secondes à peu près, j'ai un live. Et c'est un gros ou quoi? Bon, c'est parce que ça me va faire reculer en arrière. T'inquiète, ça va le faire. Ah oui, bah au pire si tu le dis, c'est Je pas fais trop. pas. Pourquoi j'oublie des bouts? Ouais. Nickel. Donc, merci du premier épisode, tout ça, parce que le nombre de vues, ça a explosé par rapport habituellement. T'as vu Nico, je sais pas si t'as vu, je t'ai envoyé une photo. Attends, je vais regarder, je me mets juste en ligne. Ah vas-y. Salut. Mais après c'est sur une photo de 3 heures là, mais quand même ça a explosé. Habituellement je faisais à peu près 5 vues en 5 heures et là j'ai fait 20 vues. Donc tu vois. Donc merci énormément Tu m'avais montré. d'avoir regardé la vidéo. Mais surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi sur cette vidéo là. Voilà. Aussi, nouveauté, j'ai ouvert un compte TikTok. Vous pourrez aller le voir. Je fais des petits résumés des vidéos à chaque fois. Donc ce sera des petits résumés en avant-première parce que je sortirai le résumé juste avant que la vidéo sorte. Donc ce sera des vite fait des petits résumés. Donc vous pouvez aller voir. Donc mon compte TikTok c'est valou-yt. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner, etc. Et sinon voilà, mon compte Insta valou.yt-du-bas. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, on avance tranquillement. Et merci à tous ceux qui s'abonneront. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc les gars, je suis en train de moissonner, voilà, j'avais pas encore moissonné dans cette série-là, on a fait un petit échange là, Nico est en train de botteler. Moissonner, j'avais pas encore essayé la Dominator, mais je la trouve pas mal la petite Dominator. Bien sûr qu'elle est bien. Bah ouais.
pas mal du tout. Si les modes est bien fait. Non, c'est vrai. Tu sais que j'ai déjà vu la prochaine batteuse, ce sera quoi, hein? J'ai Ah regardé. C'est plus tard, il faudra qu'on achète un deuxième champ. Mais on verra. oui? Ouais, on a le temps encore. Ouais. Donc les gars, on se retrouve juste ici. Donc je viens de finir de tout moissonner. Nico il a bottelé derrière. Je sais pas, on a fait combien de boîtes? On a bien fait une 15-20aine, je pense. Oui, il n'y a pas un compteur de bottes sur moi. Ah non, c'est le problème ça. Ça c'est bien en réalité quand tu vois Ouais, tes c'est bottes. stylé. Du coup, je vide ça. On va voir combien dans la benne il y en a. Je pense qu'on a bien 25 000. La benne sera presque pleine, je pense. Hein. C'est 29 000, mais. Il y en a bien, ouais, 27 000 peut-être. Ah bah non, elle est pleine. Il me reste 42% dans la trémie. Ah le con. Attends. Mais non, elle est pas pleine. Mais tu sais pourquoi ou pas? Là, regarde, monte dans le jeune deer et ils mettent max alors que je suis pas au max. Je comprends pas. Attends, ouais, je suis juste mon petit bout. Alors. Regarde, monte dans le jeune deer. Regarde. Max. Et c'est en 84%. Mais pourquoi ça bloque là? Je comprends pas. C'est chelou, attends. Oui, pourtant on n'est pas au max. C'était au max pour le John Deere, mais non, il y a des choux. C'est pourquoi je me rends beau. Non, bon, ça va encore, t'es à 84, heureusement qu'ils ont pas mis ça à 30%, tu sais. Au pire, reviens, on va vider. Hop. Mais ça, je comprends pas. Ouah, je viens de découvrir un truc. Quoi? Regarde, regarde la benne. Je viens de découvrir un truc. Ouais, on l'a surélevé, non? Ouais. Je savais pas qu'il y avait Ouais, ça, tu cette sais. benne-là. Et bon? Regarde, regarde, regarde. Tu regardes, tu vois ou pas? Elle sait, et l'eau sans hauteur. Regarde. Ouais, tu sais. Je savais pas ça, wesh. Ça peut être stylé Ouais, des tu fois. sais, c'est depuis le 2019, moi je le savais. Je savais pas ça. Enfin, Je pensais bon. qu'il savait, Ouais, je savais mais pas. Non. Je savais qu'il y en avait sur des bennes, mais sur celle-là, je savais pas. Je vais vider ça dans le bâtiment, alors je chargerai au godet. Hein. je savais. Ouais. Ça va faire un sacré truc. Et puis quand on sera plein. Quand j'aurai un silo, je viderai dans le silo. Ça, c'est faut qu'on achète ça bientôt parce que. Les New Holland, on va en avoir besoin ou pas? Je sais pas. Non, le fraisage, on va prendre le John Deere pour le plateau. Bon bah je le nettoie. Voilà, ça fait bizarre dans la truc là. Enfin, j'entends sa radio derrière là. Ouais, ça te semble. Putain, il veut pas monter en hauteur, c'est le garce. Je la ranger après. Et moi, je vais placer le poulailler. Donc, je ne sais pas où on va le placer. Ouais, d'accord.
Attendez, attendez, attendez. Construction. Animaux. Mais attends, mais moi je suis trop con. Quoi? Je suis le pire des cons. J'ai Qu'est-ce qu'il y a? vidé toute l'orge alors qu'il fallait la lancer dans la benne pour mettre dans le poulailler. Bah c'est pas grave, tu mettras au godet. Oh mais la merde, le godet il en prend 1000 là. Putain, je suis trop con. Tu sais qu'un silo, le plus petit, il vaut 117 000 euros. Ah oui. Donc en fait, prochain achat après le poulailler. Non mais on va prendre le petit silo là, il est pas mal. Il va être pas mal pour commencer 117. Bon, on va déjà placer les poules. Parce que attends, je m'excite là dans ces vieux trucs de machin. Bon, on prend direct le plus gros poulailler parce que 80 000 euros, donc on va pas se faire chier après. Allez. Alors, je ne sais pas où que je le place. Soit à côté du bâtiment, mais le terrain va être un peu déformé. Soit par dans le fond là-bas. Moi j'aurais dit à côté du bâtiment là, pour être logique, pour Moi avoir tout aussi. regroupé. Bah c'est pas grave si le terrain il se déforme un peu. Non, pas Ouais, fini. non, c'est pas grave, ok, on y va alors. On y va comme ça alors. Finico a dit. Ou pas trop. L'objet chevauche un autre, tu me fais chier. Alors ça, c'est le pire truc. On a L'objet bien chevauche. bossé, hein, on a fait ça vite. Bah ouais. L'objet chevauche un autre, mais c'est bon, il n'y a pas d'objet là. Il me fait chier. C'est peut-être le bâtiment. Si je le mets Oh comme là, il y ça. a un peu de mal. Mais non, c'est un JD. Je suis con. Si je le mets comme ça, est-ce qu'il chevauche un autre? Ah oui, comme ça, il chevauche pas un autre. Et l'autre comme ça, il chevauche un autre. Échec de l'aplatissement, et c'est bon, fais chier. T'es passe dans mon bâtiment là. Je m'en doute. Mais attends, il y a un petit problème technique. En fait, Point technique. quand tu te colles, et ben il dit que ça veut pas. Attends, peut-être là. L'objet chevauche un autre. Ah, il commence à m'énerver lui. Attends, j'ai cette tête pourquoi. Prends le Newland et le godet à pic. Parce qu'en fait, je sais peut-être pourquoi. C'est parce qu'en fait, tu sais, il reste des petits bouts de paille sur le sol et c'est pour ça que ça chevauche un autre. Parce que dans la cœur civile, j'arrivais pas à placer le bâtiment en vache parce qu'en fait il restait du foin par terre. Ah mais du coup faut pas les piquer. Si tu prends. Bah si, parce qu'il y a de la semence dans l'autre. Prends le pic et ça fait pareil. Pas le pic, mais le godet à fumier là. Parce qu'il y a de la semence dans l'autre godet. Ok, non, je pensais que tu voulais dire les piques à balles, pour Ouais, ça. non, mais non, mais les pics, l'autre, ouais. Je me suis C'est mal exprimé. pas, t'inquiète. Celui d'à côté, nickel, merci. Bah, sans trop foncer dans la barrière, s'il te plaît, merci. Non, mais il y avait un peu de poussière. Ah ouais, le carreau que t'as mal lavé, ouais. Sachant que tu en as déjà lavé Ouais. 3 tiers. Juste les deux petits bouts là qui sont là. Auprès du chemin là. Les deux petits bouts qui sont dans le champ. Ouais. Là t'es juste devant là. Et il y en a un juste à côté. On va voir si Nico sait bien faire de la fourche. Ah pas mal. Et il y en a un petit à côté là. Chemin? Ah Ouais, non, 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 ok. l'autre. Ouais, parce que dans le chemin on s'en fout, le bâtiment va être là. Et normalement c'était bon. Essaye ça, on va bien voir. Ah, je crois que t'es passé à côté. Je crois aussi. Ah, nickel. Nickel, merci Nico. Non. On va voir si ça marche. On fait pas un demi-tour 360 aussi. Ah, nickel, c'était ça. Ah, des fois, il faut réfléchir un peu dans la vie. Tout ça marche. Bon, par contre, je peux pas trop le coller au bâtiment parce que sinon, ça marche pas. Alors, je vais le mettre qu'à partir des situations, c'est pas comme ça on peut faire des demi-tours. Non mais, parce que je suis tombé sur des TikTok de ça tout à l'heure. Bon, ça fait un peu ça comme terrain, regarde. Alors, j'arrive. J'ai pas pu le placer plus près du bâtiment, sinon ça voulait pas. Sinon les gars, ce qu'on va faire, je ferai le terrain en off, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, c'est celui que t'as dans la carrière civile, en fait. Bah ouais, mais c'est le plus Je m'en gros, rappelais il y a plus. que celui-là en plus gros. Ouais. Oh, oui, non, non, mais oui, mais c'est Sinon il juste y que je a un m'en petit rappelais plus. avec 30 poules Ouais, mais bah, il est bien. bon Oh non. je referai le terrain en off. Ouais. Ouais, il est bien. Attends
On va acheter les poules et on va leur donner à manger comme ça sera fait. Ce qu'on peut faire, c'est que il faut prendre la benne avec le Newland, avec le John Deere, et on va, je vais charger avec le Newland si tu veux. Vas-y. Tu vas-y, prends la benne avec le John Deere, moi je charge avec le Newland. J'achète juste les poules vite fait. Alors, les poules. Poule. Merde. C'est pas là? C'est où on achète les poules? Ouvrir le menu animaux. Voilà, mais ouais, c'est là. Oh. J'achète des poules de 50 euros, 5 euros. 50 pour des produits de poules. Ouais, les produits C'est pour directs. des petites poules du marché. Acheter. Je veux des poules en or. Des poules en or, ouais. Non, 120, il y en a là. On a 120. Merde, merde, merde. 120. 180. 240. 300. On achète, je le remplis, hein, parce que c'est pas cher. Donc, hein. 360, il est plein le machin. c'est parfait. Allez, ouais, c'est bon, tout est acheté là, les gars. C'est bon, ça le fait. Comme ça, les poules, 100 000 balles à chaque fois que fait un truc. À chaque fois, ça va vite remplir. Alors, attends, les poules là. C'est bon, 300 poules. Il manque de nourriture. Nico, t'es où là? Ils ont faim, les poules. Moi, je suis là. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait à mettre la benne comme ça? Je vais pas pouvoir charger. Il fait des conneries, Nico. C'est incroyable ça. Les gars, comment vous voulez que j'avance? Nico, il fait des conneries. Les gars, on peut pas avancer dans la carrière. C'est ma petite. Bon, j'ai vidé la semence, c'est bon. Sans de mémoire, il nous faut à peu près 6 000. Bah, si tu te mets devant, comment tu veux que je rentre dans le truc? À côté, tu peux passer? Non, merde. Oh là là, mais. Oh là 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 là. Ah bah, Nico, tu. Et fais gaffe à la montée parce que attends, je vais te faire une petite montée si tu veux. Mais monte pas de ce côté-là. Mais la benne en reculant, oh, lui, toujours dans les complicados lui. Mais je vais encore me faire chier à faire le terrain. Ah bah alors là, je suis bien. Hein? Il n'arrive pas à vider. Je te l'avais dit. Purée, je suis en deuil. Ah, Tu es t'es en en bug. bug. Menteur, t'es juste Je sais pas bloqué. ce que je fais. T'es juste bloqué. Non, je suis bourré. Vas-y, attends, je vais essayer de reculer. Oh, j'étais en dessous de la map. Hein? Non, en fait, ton tracker il est bloqué aussi. Bah ouais, mais par contre, j'étais vraiment en bug parce que j'étais sous la map. Ah oui. Vas-y, je me mets en dessous. Il veut pas se lever, il est con. Vas-y. Aïe. Aïe, ça fait mal. Aïe. Je suis en dessous. Aïe. Aïe. Mais pourquoi il veut pas la bénée de sang aussi? Tu parles, c'est en descente, alors la bénée de sang. Comment ça m'énerve ces conneries là? Vas-y, Ben. Attention, ça va tomber. Oh les cons. Oh le malade. Bah, tu sais que la bénée. Tu sais que la bénée. Et je me suis. Oui. Ça m'a énervé cette bénée là, j'ai cru que j'allais la revendre. Ah non, non, non. C'est pourquoi j'arrive dans le Non. bâtiment, tout était bien rangé, tu sais, j'arrive pour déchaumer tout en off. Ouais. La benne, je vais t'expliquer. La benne, je l'avais reculée là. Elle se bloque Ouais. dans le poteau. Oh. La benne se retourne. Le truc est bloqué. Je dois tout sortir, le plateau, etc. Je dois prendre la fourche pour la pousser, pour la faire partir et tout. Elle Oh, était bloquée. c'est... Et tu sais, comme la benne, elle se lève comme ça là. Et ben, Ouais. les roues, ils faisaient que de bouger bizarrement et tout, tu sais. C'était le bordel, j'ai perdu un quart d'heure, ça m'a énervé. J'ai cru que j'allais la revendre et en racheter une. Du coup, on a terminé l'épisode, Bah ouais, on a fait la fin. On se tourne vers une fin d'épisode, les copains. là? Voilà, ça passe Voilà, vite, hein? voilà. Ouais, donc on va se mettre par ici, dans le petit champ. On va peut-être voir. Attends, je vais regarder. Voilà. Bah, hey, à côté de nos poules, hein, quand Ah ouais, même. nos petites poules. Du coup, on se tourne vers une fin de vidéo. Oh Un là, petit qu'est-ce qu'il y épisode avait? marrant. On s'est bien marré avec les petites Nico, là.
Ouais, c'était pas mal. Et puis on a bien bossé, hein, quand On a même. bien bossé, On c'est se vrai marre, mais on qu'on peut bosse. rigoler, mais on bosse à côté, hein, les gars. Et nous, on chôme pas. On déchôme pas. Donc, merci du retour du premier épisode, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a eu plus de vues J'ai pas qu'habituel. envie. C'est... Merci beaucoup. Nico, tu l'as vu l'épisode? Ah bah bien sûr, attends. Très bien. Fidèle. On est fidèle à tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me fera extrêmement plaisir. Allez voir mon compte Instagram valou.yt-du-bas à vous abonner si vous n'y êtes pas aussi. Et mon compte TikTok valou-du-bas-yt qui vient de s'ouvrir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, bah, qui s'est ouvert du coup il y a une semaine maintenant pour vous. Donc surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, etc. à tout faire. Là, on est chaud, on va faire tout péter. Donc merci à Nico d'être venu. De rien. Ça c'est fait un toujours plaisir, plaisir de, d'avoir de l'aide. Pour une fois, épisode aussi, on peut mettre un pouce bleu parce que Nico a pas tapé dans quelque chose, cet épisode-là. Eh ouais, attention, c'est quand même, je s'améliorer. Donc voilà. Donc on se retrouve mercredi sur la carrière suivie. Je sais pas ce qu'on fera. Parce que. Je sais pas, on verra. Et on se retrouve samedi d'après sur la plus grosse ferme, épisode 3. Donc on fera, j'aurai tout ressemé. Ce qu'on fera, on achètera le silo pour mettre le blé normalement, l'orge pardon, pour stocker, parce que comme on est en mode saison, et bah pour vendre au plus fort et tout, etc. Ce sera quand même utile. Donc merci. On se retrouve samedi, mercredi soir qui a suivi, et samedi pour la plus grosse ferme. C'était Valou. Allez, ciao. Salut.